C'est la fin de ce salon déjà, 5 jours passés ici dans une ambiance sonore, conviviale et créative. Claude Membré, votre arrivée sur Pléto sonne le glas de ces 5 jours qui sont une fête et une réussite. Alors on vous demande généralement quels sont les chiffres des entrées. Vous allez nous refaire la petite leçon de la médiamétrie. Combien d'entrées cette année? Alors cette année, environ 95 000 à 2 heures de la fermeture. C'est un poil de plus que l'année dernière. Par contre, ça nous conforte dans la transformation du salon que nous avons opéré depuis quelques années maintenant. Alors Palexpo est donc propriétaire de ce salon. Qu'est-ce qui a opéré? Je n'ai pas eu le temps d'avoir Isabelle Falconi, elle était là l'an dernier. Qu'est-ce qui change? L'espace, les scènes, les parcours, le dessin? Alors il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Le monde de l'édition en Suisse a vécu certaines turbulences durant les années dernières. Et il a fallu bien évidemment affronter ces turbulences et puis voir dans quel sens le salon devait évoluer pour tenir compte de cette nouvelle donne. Alors il y a la création des scènes depuis quelques années maintenant. Il y en a eu de nouvelles cette année, notamment la scène du crime. Hein. Il y avait auparavant la scène du mois, la scène suisse, la BD. Donc on en a créé d'autres. Il y en aura encore d'autres l'année prochaine. En fait, on thématise un petit peu certaines données, pas toutes bien évidemment, mais on thématise certaines activités littéraires en créant ces scènes. Alors sur ces scènes, il y a toujours une librairie, bien évidemment. Il y a un espace causerie, dédicace, conférence, dialogue avec les lecteurs. Et puis il y a aussi un petit restaurant, un petit snack finalement qui suit cette thématique. Par exemple, nous pouvions manger du canard au sang sur la scène du crime. Oui, alors là, vous faites appel à des partenaires. On connaît Francine Cellier dans le monde de l'édition qui s'est occupée de la programmation. Est-ce que ce sont des libraires de la place qui vont s'occuper du choix des livres, de l'approvisionnement? Comment faites-vous? Oui, alors tout ça est relativement compliqué. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont partie prenante. Mais clairement, oui, on mandate des personnes qui connaissent ces thématiques. Ces personnes s'occupent donc de l'espace causerie, l'espace dédicace, le contenu même de l'événement, de la scène. Et puis après, on mandate effectivement des libraires qui gèrent l'aspect commercial de la scène. Alors, c'est des libraires établis, connus, qui sont à Genève, à Lausanne, à Fribourg, à Neuchâtel. Et puis d'autres, c'est des libraires dits indépendants, voire itinérants, qui s'occupent également de gérer ce côté commercial. Sans devenir une force, on dit qu'on voudrait, la présidente et son groupe, hein, que ça devienne plus un festival. Est-ce que c'est dans ce sens-là, un côté un peu Genève moyenâgeuse et la foire, où on est en règle avec la loi et on sait tous les drames et les soubresauts que le monde du livre a connus, monde qui vous était étranger jusqu'à ces dernières années d'ailleurs? Oui, alors quelles sont les différences entre le mot foire, le mot salon, le mot festival? On peut discuter longtemps. De fait, le Salon du Livre est depuis sa création un salon d'éditeurs. Et il faut qu'il le reste, il faut qu'il le devienne. Par contre, avec le temps, les libraires ont disparu. Ils étaient là au début, mais ils ont disparu avec le temps pour 1012 raisons, bonnes ou moins bonnes. Et puis, aujourd'hui, ils réapparaissent. Et on est ravis de cette dynamique-là. Ils réapparaissent sur les différentes scènes thématisées. Ça permet de pallier l'absence d'autres acteurs qui ne sont plus là ou qui veulent ne plus venir pour d'autres raisons. Et ça permet de dynamiser toujours, encore et toujours, le Salon du Livre. Est-ce que les médias ont bien réagi? Est-ce qu'il y a eu des choses encourageantes? On sait qu'il y a quelques années, c'est l'éruption du numérique, ensuite il y a eu le prix du livre. Est-ce que les médias locaux se sont intéressés au Salon en le poussant? Je n'ai pas eu le temps de lire, on était assez occupés, comme vous d'ailleurs. Quels sont les feedbacks de la presse sur l'évolution du Salon? Alors les feedbacks sont très bons. On travaille beaucoup, bien évidemment, sur la communication du salon. En amont, et on leur explique finalement qu'est-ce qu'on fait. Vous connaissez ce monde très bien, mais on leur explique finalement où sont les enjeux, comment ça se passe, qui est décisionnaire de quoi. On leur explique le contenu des différentes scènes, le contenu des expos parallèles, le contenu de la liste des auteurs qui viennent et qui s'y plaisent, qui y participent. Donc les médias nous suivent très bien. Ils sont moins présents ou quasiment plus du tout, à part un ou l'autre, sur place, sur site. On peut comprendre les contingences qui sont les leurs.
Mais tant qu'ils jouent le jeu dans le côté communication, pour nous, ça nous convient et ils sont là de manière un peu moins ostentatoire. Bon, Claude Membré, on va se quitter sur ces bonnes paroles, plutôt encourageantes. On verra, vous allez faire des briefings chez vous, on se rencontrera à ce sujet. Nous, à France Loisirs, on va bientôt démonter, il y a encore quelques acquisitions de nouveaux membres. Notre directeur s'est dit relativement content, mais on est tous un tout petit peu sur la corde raide, mais à voir un peu, parce qu'il y a la conjoncture économique aussi, et on sait que c'est important dans le panier de la ménagère. Merci Claude, merci pour votre confiance. Je remercie Hakim Boulouiz qui est derrière sa caméra depuis 6 ans avec patience, et Nicolas Lodato, notre directeur général, ainsi que les délégués et la saine ambiance qui règne toujours, comme vous le savez, sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous nous retrouvez toute l'année et jusqu'à ce que le blog de France Loisirs, prenez le temps de lire, soit piraté. Vous pouvez voir tous ces sujets et je crois que nous en avons 54 cette année. Merci beaucoup. Très bien, et à l'année prochaine, du 29 avril au 3 mai. Parfait, merci beaucoup.